السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا في هذا العالم. بونجور، جيسبر كو فوز الي تري بيان. الوغ اوجوردي اون فا بارلي دو كاركتير. اليوم غنتحدثوا على لو كاركتير ديال الاشخاص، وغادي نتحدثوا بالضبط بالضبط على العيوب. بون، الناس اللي عندهم عيوب اليوم غادي تعرفوا راسكم كيفاش تقدروا انكم توصفوا ريوسكم باللغه الفرنسيه. ولكن الجميل في هذا الدرس تاع اليوم هو انه الكلمات اللي غادي نستعملهم كلمات تقريبا غيكونوا جداد عليكم، يعني غنحاول نستعمل كلمات اللي غيردوا من الفرنسيه ديالكم فرنسيه جميله باذن الله. يلا الله يعاون، الله على بركة الله. انا بغيت نقولكم الله يعاونكم، خلي الله يعاونكم. نتحدثوا اليوم على لو كاركتير. الوغ لو كاركتير سي لا مانيير دتر و لا مانيير داجير، كيفاش الانسان هو داير وكيفاش كيتصرف. الوغ مانيير دتر، مانيير دتر اي مانيير داجير، مانيير دتر و داجير كيفاش يتصرف. Alors, on a fait ça aussi, donc nous avons le caractère ou alors le tempérament. Alors, un synonyme, donc on a fait ça aussi le tempérament. Le tempérament, ça s'écrit comme ça. Alors, une personne, en fait, a des traits de caractère. Alors, le trait de caractère ou alors un trait de caractère, c'est un élément du caractère de quelqu'un. Par exemple, quand je vous dis, par exemple, je suis lunatique, alors lunatique, ça, c'est un trait de caractère. D'aller, je ne suis que lunatique, mais les traits indi. Donc, les éléments, on appelle ça un trait de caractère. D'accord, un trait de caractère. La gentillesse, par exemple. L'avarice, etc. Donc, à nous, ce sont des traits de caractère. D'accord? Alors, Edna Kadalik, le naturel. Alors, le naturel, c'est l'ensemble des caractères qu'une personne tient de naissance. Et ni l'insan, ma kid z, qui kunchi omor, enduha, shi a tabe. طبع، لان لو كاركتير هو الطبع ديال الانسان، دونك يكون واحد الطبع عنده تزاد به، ماشي تعلمو في المحيط ديالو ولا من والديه ولا هذا. كتسمى هذا لو ناتورال. الوغ سي لونسامبل دي كاركتير كون بيرسون تيان دو نيسانس. داكور، هذا اون ابي سا لو ناتورال. سي بون. الوغ عندنا كذلك واحد لا نوسيون اخرى كتعرفوها كاملين، الشخصيه. La personnalité, alors la personnalité, c'est tout ce qui caractérise une personne et la différencie ou alors la distingue des autres. Alors, il y a alors, on peut avoir le même caractère, on peut avoir les mêmes traits de caractère, un adrif, un tadrif, un قبيح انت قبيح الى اخره، ولكن on ne peut pas avoir la même personnalité. كل واحد، chaque personne forge sa propre personnalité. وهاد لا بيرسوناليتي، انا جو في با فير دو لا سيكولوجي aujourd'hui. دونك لا بيرسوناليتي نورمالمون شي حاجه اللي تري 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 كومبلكس، ما نقدروش نهضروا عليها ولا نفسروها ولا نفسرو تكدي كيفاش كومون ال سو فورج سيت بيرسوناليتي. اليوم غنتحدثوا على لي ديفو، غنبدا بهم باش من بعد ندوي لكم على على لي كاليتي. الوغ لي ديفو او لا العيوب. لو بروميير ديفو كو جو في سيتي اوجوردي سي لا بيرسون ان فيت كي ساتاش افيك اشارنمون ا اون مانيير دو بونسي او داجير. يعني شي شخص متعصب الراي ديالو، كنقولوا سي اون بيرسون اوبستيني. لادجيكتيف سي اوبستيني، دونك اوبستيني. انا ليسونسييل سي l'objectif en fait de cette leçon, c'est apprendre de nouveaux adjectifs ou alors des adjectifs qui appartiennent au registre soutenu. Au Fnesloart, alors l'explication que je vais donner, je vais la donner en français pour que vous puissiez en fait, bien évidemment, vous approprier des termes et aussi des phrases
et du vocabulaire dans un contexte. Alors, d'accord? Donc, obstiné, donc c'est une personne qui s'attache avec acharnement. D'ailleurs, parmi les synonymes de l'adjectif obstiné, c'est acharné. Alors, on peut dire une personne acharnée, on peut dire une personne qui est. Si je dis personne, je dois ajouter un E. D'accord? Là, on a un système, mais les adjectifs au masculin. Donc, متعصب, obstiné, acharné, coriace, coriace, opiniâtre. Vous avez aussi l'adjectif opiniâtre. Opiniâtre avec un accent circonflexe sur le A, mais il y a aussi d'autres adjectifs que vous connaissez très bien, comme par exemple têtu, entêté, etc. C'est bon? Alors, une personne qui est vite vexée, d'accord? Qui est facilement vexée, blessée, d'accord? Sur insan mumkin dryan jarhou, jarhou li lmachaer, bien évidemment. C'est une personne qui est ombrageuse. Alors, l'adjectif au masculin, c'est ombrageux. Alors, ombrageux, vite, vexé. Ah, pardon, vexé. Pardon, vexé. Alors, il y a un autre synonyme de l'adjectif ombrageux. Il y a une personne susceptible. Susceptible, susceptible. يعني هذه بسرعة ممكن أننا نقلقوها نجرحوها إلى آخره. C'est bon? Alors, une personne en fait qui est coléreuse et qui est emportée. Alors, coléreuse, mais chic, qui se met facilement en colère. دغيا كيتعصب شي شخص دغيا كيتعصب هو مقلق مع راسو. Ou alors une personne emportée, il y a un autre adjectif, ما كتعرفوش يمكن هو une personne irascible. Alors, irascible, ça s'écrit avec SC. Irascible, d'accord? Donc, c'est, j'ai dit coléreuse. Alors, au masculin, c'est coléreux. Ou alors, emporté. Emporté. D'accord? Une personne qui est en fait portée à la vengeance et qui est rancunière, يعني الشخص اللي حقود وكيبغي ينتقم من الناس. D'accord, هذا شخص نقدر نوصفه بهذا الادجكتيف. C'est une personne vindicative. Alors, c'est une personne féminin vindicative. Sinon, l'adjectif au masculin c'est vindicatif. Alors, vindicatif, كنعرفو كاملين يمكن هذا الادجكتيف اللي هو quelqu'un de rancunier. Alors, rancunier, c'est-à-dire quelqu'un qui حقود, qui حقد على الناس, ou ولكن اكثر ما كيحقد على الناس, c'est quelqu'un qui se venge des autres. Donc, c'est quelqu'un qui est vindicatif. Alors, la personne qui agit sans réfléchir, le cas des adolescents, par exemple, مراهقين اللي كيكونوا مندافعين شي شويه, ما كيفكروش. Donc, quelqu'un qui agit sans réfléchir est une personne impulsive. Alors, impulsive au féminin, ou alors impulsif, j'espère la pulsion, pardon, la pulsion. Alors, impulsif, d'accord, c'est-à-dire agit, quelqu'un qui agit sans réfléchir, sans réfléchir. غنحاول نعطيكم النعوت اللي شويه قلال ما كيتستعملوش بزاف باش تعرفوهم. alors il y a ça, c'est un adjectif que vous connaissez très bien, c'est quelqu'un qui est envieux. alors une personne envieuse, envieux يعني حسود, ou alors jaloux hein. alors envieux, c'est quelqu'un qui éprouve en fait de l'envie des autres, d'avoir plutôt les biens des autres, ou alors d'être à la place des autres. Donc c'est le verbe, c'est envier quelqu'un. Alors envier, le verbe c'est envier, d'accord, envier les biens des autres, alors vouloir être à leur place. Jaloux, le verbe c'est jalouser. Donc des verbes, jalouser, jalouser les autres, jalouser quelqu'un. C'est bon? Très bien. Alors, quelqu'un en fait qui éprouve plutôt qui veut du mal aux autres. D'accord? Quelqu'un qui veut du mal aux autres, c'est quelqu'un de malveillant. Malveillant. Malveillant,
C'est quelqu'un qui veut du mal aux autres. C'est une personne qui brille l'aida l'nas l'akhari, à autrui. Aux autres ou alors à autrui, c'est la même chose. Alors, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Alors, je vois des nitou khayba, comme on dit. Bzaf nas kantlaqaw fi hayatna nitou khayba, nawayom sayya. Une personne, c'est une personne mal intentionnée. Jatmen mal fiha le préfixe mal et intention. Alors, mal intentionné. Alors, je mets que des adjectifs au masculin et après vous là, vous accordez. Donc, si c'est le E, vous ajoutez un E, que tu dis malveillante, etc. Donc, une personne mal intentionnée, c'est une personne qui a de mauvaises intentions. D'accord? Alors, la personne qui est haineuse, c'est-à-dire qui éprouve de la haine envers les autres, d'accord? On appelle ça une personne fielleuse. Donc, un goulot méchante, une personne méchante, et une personne qui veut du mal aux autres, qui éprouve de la haine envers les autres, qui krahnes, qui brdnes, et là, on a l'adjectif, ou l'adjectif zwi, ou un walakin, le ma'na dialo khayb. Donc, c'est une personne fielleuse, on a dit le masculin, donc une personne fielleuse, quelqu'un fielleux, ou alors une personne fielleuse, c'est-à-dire une personne haineuse. Alors quand je trouve le masculin, d'accord. Alors il est quand le féminin, va être X, ça dit SE. Les personnes en fait qui ont une trop bonne opinion d'eux-mêmes, ce sont des personnes qui sont orgueilleuses. Alors l'adjectif c'est orgueilleux. Au féminin, c'est orgueilleuse. Donc, c'est quelqu'un qui a une trop bonne impression de soi-même. Mais quand on a une trop bonne opinion de soi-même et qu'on veut produire de l'effet, en fait, sur notre entourage. تعجبوا بيا دونك خصني ناثر فيكم في هذه النقطه هذه وتجمعوا تقولوا واو هذه السيده راه ما كاينش بحالها انا هنا je deviens en fait vaniteuse. Alors l'adjectif c'est vaniteux. Alors il y a un autre adjectif, il y a quelqu'un de vantard. Alors une femme, elle est vantarde, donc ça s'écrit avec un D, quelqu'un qui est vantard, c'est quelqu'un qui se vante en fait de ses, je veux dire, de ses compétences, voilà, de ses biens, etc. Je vois des kebris ben ils célèbrent l'amour les endo ou kadalik l'amour mais endo. Je ne me suis pas d'arrêt de connaître. نبغين بان بشي حاجه اللي عندي نقدر نعاود لك شي حاجه داك الشيء راه كاينين في حياتنا بزاف كنعرفوهم ولا بد الله يهدينا ويهديهم فيهم هاد القضيه كاين اللي عنده شي حاجه وحتى الا ما عندوش يقدر يبقى يكذب عليك يفوح عليك الفوحان هي هادي كيكان كي فونطار هي هادي المغاربه زعما حنا راه عندنا شي كلمات ما كاينش بحالهم الفوحان الفواحان اون بيرسون ان فيت كي ميبريزانت كي ميبريز لي جون كي دادني لي جون يعني كيحتقر الناس وكيتعامل معاهم بزديرة. C'est une personne dédaigneuse. Alors, l'adjectif, c'est dédaigneuse. L'adjectif au masculin, c'est dédaigneux. D'accord? Alors, dédaigneux, c'est attaché. Alors, on peut dire que c'est méprisant, quelqu'un de méprisant. D'accord? Une personne méprisante. Ou alors, quelqu'un qui est hautain. Une personne hautaine. Hautaine, j'ajoute le E, donc hautaine, ou alors quelqu'un d'arrogant aussi, donc comme synonyme à l'adjectif dédaigneux. C'est une personne qui attaque les autres ou alors se moque des autres avec une violence blessante. D'accord, c'est quelqu'un qui est comment, on appelle ça en français, une personne mordante. Le verbe c'est mordre, l'ad, mais là on emploie l'adjectif mordant dans un sens figuré pour dire que c'est une personne qui se moque des gens et en les vexant, en les blessant. Alors, mordant. Hado daroli répondant qu'il n'y a pas de l'entourage, c'est qui se moque des gens. Qui
se moquent, je dirais, violemment des gens. Violemment des autres. J'écris n'importe comment. C'est une personne qui est mordante. Alors, une personne qui éprouve de la haine envers les étrangers. Les gens qui kattekreh, les gens qui ne sont pas du pays d'origine, par exemple, les gens ghoraba. Donc, hado, ce sont des personnes qui sont xénophobes. Alors, l'adjectif, c'est xénophobe. Ça s'écrit avec un X. Xénophobe. Xénophobe qui haït. Verbe haïr, qui haït, c'est un verbe du deuxième groupe, qui haït les étranges. Les étranges. Une personne qui est hardie, ou alors qui est audacieuse, d'accord, mais à l'imprudent, jusqu'à l'imprudence. C'est-à-dire le courage, normalement, l'audace, ça c'est une qualité. Mais quand ça devient en fait... une personne qui prend des risques et qui devient imprudente, alors ça devient un défaut et on appelle cette personne une personne téméraire. Téméraire. Alors téméraire en arabe, mutahawwir. Téméraire, c'est-à-dire hardi, l'hardiesse. Alors hardi jusqu'à l'imprudence. Yani mutahawwir. Personne en fait qui est d'une douceur feinte ou trompeuse, يعني كيبان لك واحد الشخص ظريف لطيف ما كاينش بحالو ولكن هو راه الداخل ديالو راه واحد اللفعه كنقولوا حنا واحد اللفعه واحد الحيه الله يحفظنا ويحفظكم هذا الشخص هذا وكاين ضروري غنكونوا عاشرنا ناس من هذا النوع هذا ولا تعرفنا عليهم كيبانوا في تعاملهم لطاف وظريفين alors que ما راه كيضربوا غير من تحتها هادو سو سون دي بيرسون ان فرونسي كون ابيل دي بيرسون ميلوز alors l'adjectif c'est ميلو جاسمين Alors, une personne mielleuse, le masculin c'est mielleux, c'est-à-dire une personne d'une douceur feinte ou trompeuse. Ou trompeuse. D'accord, dar. Alors, la personne en fait qui cache, qui dissimule, hein, dissimuler, cacher, nascher, qui dissimule ses véritables sentiments et par malveillance, par méchanceté. Quelqu'un de malveillant, c'est une personne en fait qui veut faire du mal aux autres et qui brille à dinas. Donc, كي خبأ المشاعر ديالو تجاهك ما كيعطيكش المشاعر الحقيقيه باش ياديك هذا اون ابيل سيت بيرسون اون بيرسون سورنواز لاجيكتيف سي سورنوا سورنوا انا فسرتها دابا سي كيكان كي ديسيمول كاش ديسيمولي ديسيمول سي سنتيمون بار مالفيونس راح ممكن نخبئ المشاعر ديالي لي غرض ولكن ما كنكون كنخبئ مشاعري باش ناديك فهنا راه جو سوي سورنوا alors il y a aussi l'adjectif quelqu'un qui est fourbe fourbe c'est quelqu'un qui trompe les gens qui trompe les gens les qui redonne الناس qui trompe les gens d'accord Maintenant, la personne qui est hypocrite. Alors, la personne qui est hypocrite, c'est une personne qui fait semblant d'avoir une qualité. La qualité, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est une personne qui est hypocrite. Une personne qui manque de courage, une personne lâche. Jaban. Alors, juste les adjectifs, alors, on appelle ça aussi une personne pusillanime. Alors, pusillanime.
Alors, qui manque, quelqu'un qui manque de courage. Alors, il y a un autre adjectif, donc c'est quelqu'un qui est comment? Qui est couard. Le féminin couard. Hadou, ce sont des adjectifs qui appartiennent au registre soutenu, à mais je suis familier. Dire que quelqu'un, le nom c'est la couardise. Il y a lâcheté, hein, la couardise. C'est-à-dire, c'est la lâcheté. D'accord? Quelqu'un qui est lâche, qui manque de courage. C'est bon? Alors, une personne qui croit facilement à tout ce qu'on lui dit, c'est quelqu'un qui est crédule. Crédule. D'accord? Crédule, aksalminha, elle est naïf. Quelqu'un qui est naïf. Yani, هنا راه الدرجة يعني كتيرة يعني كتر من كريدول سي نايف داكوغ كيكان دو نيي هان نيي اوسي تاهي سي لادجيكتيف سينونيم دو نايف الوغ اون بيغسون كي اي كابريسيوز كي ا لومور شانجانت يعني شي واحد اللي دغيا هذا هو عاجبو الحال هو مقلق هو معاك مزيان هو دغيا كيتخسر له المزاج مزاجي وصعيب التعامل مع النوع تاع الناس اون فرونسي اون ابيل سا لوناتيك لوناتيك وي سي كيكان دو لوناتيك جات من لون حيت القمر كيغير كيتغير كل نهار كيكمل ولا كيقلال Donc c'est lunatique, une personne lunatique, c'est une personne avec l'humeur, misère changeante. Changeante. Voilà, donc نكتفيو بهذا القدر تبارك الله راه تعلمنا عدد كبير من الافعال من عفوا من النعوت اللي كلهم عيوب. عندنا واحد النعت الاخير اللي غادي نضيفه هو لا بيرسون كي سون بيتي يعني الناس اللي ما كت اللي قلبها قاسح بدون رحمة اللي ما كت ترحمش الناس اللي ما كيرحمش الاخرين سي اون بيرسون امبيتويابل امبيتويابل ايوا الانسان اللي ما عندوش في قلبه الرحمه هذاك الانسان راه هو يمكن هو شر الخلق الوغ كيلكان كي اي امبيتويابل امبيتويابل سي اون بيرسون سون بيتي فوالا دونك سور سو جو فو رمارسي على بروشين الدرس القادم غادي ندويو على لي كاليتي على الفضائل ديال الناس ولكن غادي نحاول انني نعطيكم غير دوك لي زادجيكتيف لي جداد لي زويوني لي حلوين لي بيهم تقدر تحسن بهم اللغة الفرنسية ديالك شكرا والى اللقاء